J'affaire. Bonjour et bienvenue dans l'émission 77 de Jaftamer, l'émission de l'association Équité Parentale sur la famille contemporaine d'aujourd'hui via le regard des pères. Aujourd'hui, la seconde partie de l'interview de Thierry Berger, président de l'association Égalité Parentale, qui nous parle de la PPL 45-57. Nous ferons avec lui un petit retour sur le projet La Tombe de double résidence en 2017. Nous regarderons le calendrier de cette PPL, puis nous parlerons de la nécessité de la pousser, de l'appuyer, afin de faire correspondre le code civil au schéma du monde d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, cet automne a été marqué par le documentaire de Carl Zero, 1 sur 5, qui est en téléchargement libre et en vision libre sur Internet. Carl Zero nous rappelle que 20% des enfants ont subi des abus sexuels, ce qui fait quand même, on va dire, entre 3 et 5 enfants par classe, hein, quand même. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'une émission spéciale dédiée à ce documentaire, mais en attendant, voici quand même un tout petit extrait. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide et de conseils au sujet de ma fille. Oui, elle a quel âge votre fille ? Elle a 4 ans et demi et elle m'a parlé de choses à caractère sexuel qui se passent quand on est chez son père. Quel est votre nom ? Et donc, quel souci ? Votre fille raconte des choses, c'est ça ? Voilà, elle raconte des choses qui sont extrêmement choquantes. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, elle m'a parlé de doigts dans le trou du pipi, de doigts dans le trou du caca. Oui. Pour les enfants de 4 ans, c'est assez fréquent de dire ce genre de langage. Hein. Il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Hein. L'école aussi, ça raconte pas mal de choses. C'est pas forcément lié à son père. Hein. Bah, vous ne pas vouer votre cerveau d'adulte de fantasmer sur le vocabulaire de l'enfant de 4 ans. Hein. D'accord. Elle m'a parlé de zizi dans la bouche. Je vous dis, à cet âge-là, moi, vous allez plutôt avoir un psychologue faire un petit point avec votre enfant. Mais bon, c'est pas parce qu'elle parle de ça que c'est lié à un abus sexuel. Il faut arrêter avec ses histoires, d'accord? Et bon, je vous dis, madame, un enfant de 4 ans et demi, c'est dit tout et n'importe quoi. Pas du tout si à leur parole. Parce que vous êtes séparés de cette homme-là, que certainement, il fait du mal à votre fille. Hein. Voilà, chère madame. Bonne journée. Bien. Donc autant nous protestons ici régulièrement contre les dénonciations calomnieuses et l'instrumentation de la justice, autant il n'est quand même pas tolérable que dans notre pays les appels de parents qui se plaignent de sévices sur leurs enfants soient traités ainsi. Mais nous en reparlerons. Croyez-moi, nous allons en reparler. RLP. Radio Libre en Périgord. Alors, seconde partie sur la proposition de loi 4557 qui tente de modifier le code civil pour instaurer la présomption de résidence alternée, toujours avec Thierry Berger avec nous. Dans cette liste de députés qui soutiennent ce projet, nous voyons apparaître le député Philippe Latombe, qui avait un petit peu disparu, hein, malgré son essai, c'était en 2016, en 2017, je ne sais plus, la double résidence. Novembre 2017, la double résidence qui avait été un fiasco total à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai regardé les débats plusieurs fois parce que j'en revenais pas. Je comprenais pas pourquoi il y avait une telle crispation. Après, M. Latombe a un petit peu disparu. Tu as pu le rencontrer dernièrement ? Tu as des contacts ? Alors, je reste toujours très en contact parce qu'il est toujours, c'est un sujet qui le tient à cœur. La preuve, il a co-signé cette proposition de loi. Mais c'est pas le groupe de députés sur lequel nous avons misé. C'était le MoDem, je crois, lui, hein. C'est le MoDem, tout à fait. Ouais. Et lui a été tellement échaudé que
par sa PPL qui a été tué dans l'œuf. Ah, c'était violent, c'était d'une violence incroyable, Il est très prudent. Non, ce qui est intéressant dans la liste des députés qui ont co-signé cette PPL, c'est qu'ils sont de tous horizons. Il y a des hommes, des femmes. Oui. Il y a une députée femme qui est très courageuse, qui est une députée, elle s'affiche, donc je peux le dire, elle est députée homo. Donc c'est deux mères. Donc la mère et la belle-mère, le beau-parent souhaite aussi que, comme un couple standard, hein, le beau-parent souhaite avoir la résidence alternée. Donc c'est nouveau. Donc c'est pas une guerre du père contre la mère ou l'inverse. C'est le souci que l'enfant il soit éduqué à part à peu près égal, autant par chacun de ses deux parents. Nous avions fait, nous ici, des émissions sur la famille homoparentale. On en a parlé avec plusieurs experts aussi. La famille française évolue. Et ces petites frictions qu'il y a eu par le passé entre certains lobbies homosexuels dans ces demandes de résidence alternée sont en fait totalement dérisoires parce que dans la famille homoparentale se passe à un moment donné aussi la notion de séparation. Et dans ce moment de séparation, ils ont encore plus de problèmes de reconnaissance de droits et d'accès aux enfants que la famille traditionnelle, parce qu'il faut une adoption double et autres. Donc en fait, il y a une convergence, l'évolution de la famille qui fera qu'il y aura une convergence entre les familles traditionnelles et les familles homoparentales pour la gestion des séparations dans le bien-être de l'enfant. Moi, ça me paraît logique et je suis heureux de t'entendre dire que c'est en train de venir aussi au niveau de la représentation nationale. Alors, ça d'une part, et d'autre part, il y a de plus en plus de mères qui n'obtiennent pas la résidence alternée ou qui ont le droit de visite et d'hébergement dit classique, et il n'y a rien de classique, mais d'un week-end sur deux. Et elles, ces mères-là, donc il y a des mères, on comprend pourquoi, et d'autres mères, on ne comprend pas pourquoi, qui sont tout à fait aptes à garder leurs enfants, c'est-à-dire qu'il y a des pères indélicats, il y a des mères indélicats, on est hommes et femmes égaux pour le meilleur comme dans le pire. Il y a tous les cas de figure. Mais ces mères-là ont une double peine parce que non seulement elles voient pas ou peu leurs enfants, mais elles ont le regard de la société qui les juge. Et classiquement, on dit pourquoi tu n'as pas la garde de tes enfants ? En gros, tu dois avoir un pet au casque, tu dois pas être normal. Ouais. Donc ce regard de la société qui les juge, c'est terrible aussi pour ces mères. Oui, non, mais de toute façon, oblitérer un parent, quel qu'il soit, c'est bon ni pour le parent, ni pour l'enfant. On est en face normalement d'un triptyque, hein, y a trois personnes. Si on veut que l'enfant aille bien, il faut que les trois aillent bien. Et donc il faut que, quelque part, l'hégémonie, la cohésion reste, même si on se sépare. Il faut quand même que... Bon, moi, je vais encore parler de ma paroisse à moi. Hein. Je sais que ma fille, je la récupère à l'école le vendredi après l'école. C'est la meilleure solution parce qu'il n'y a pas de passage de bras, on ne se croise plus avec la maman et autres. Elle fait une semaine sur deux, on est à 500 mètres l'un de l'autre. Se pose parfois le problème d'activités extrascolaires. Ça peut être effectivement un sujet parfois, parce que avec l'un des parents, elle va aller au piano, et puis l'autre parent ne l'emmènera pas, donc elle va faire qu'une semaine sur deux par rapport aux activités extrascolaires. Mais par rapport à la scolarité elle-même, et puis par rapport à l'accès à ses deux parents, c'est quand même ce qui se passe de mieux. Et ça, que ce soit une famille traditionnelle ou que ce soit une famille homoparentale, donc tes deux députés mamans qui sont avec nous, pour moi c'est une très très bonne nouvelle, parce que ce qu'on avait pu voir, constater avec le projet La Tombe à l'époque, ou certaines petites guérillas par le passé, sont totalement désuètes et dérisoires, et moi je pense qu'il y a une convergence qui s'effectue par rapport à ça. Tout à fait. Andrea McArdle. Andrea. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin. Maintenant, dans le concret, cette proposition de loi, est-ce qu'il y a un calendrier ? Alors, c'est une bonne question. Le calendrier, idéalement, si tout va bien, elle serait
dans la niche parlementaire du groupe Liberté et Territoire, qui est, dernière nouvelle, positionnée début février. Oula. Début février 2022. Donc, elle serait. On en est avec l'inscription de cette proposition de loi au journal officiel. On en est au tout début, en bas de l'échelle. Dans l'ordre, il faut que la niche parlementaire soit confirmée début février, qu'elle soit votée par l'ensemble du groupe parlementaire. Pour être dans cette niche, non seulement votée, mais placée en tête de liste. Parce que si elle est mise en queue de liste, eh ben on sait qu'à 21h30, il y a quasiment le coup près, hein, parce qu'à 1h du matin, ils arrêtent. Donc, il suffit que des députés indélicats jouent la montre et elle sera pas débattue. Comme on l'a vu en 2017, d'ailleurs. Ouais. Absolument, ouais. Absolument. Donc, il faut qu'elle soit dans la niche parlementaire, ensuite en tête de liste, et ensuite il y a la navette parlementaire avec le Sénat. On n'est pas inquiet parce que les sénateurs, on a fait un gros travail de lobbying, ils sont majoritairement acquis à notre cause, donc ça devrait aller. À la limite, si le calendrier, si nous n'avons pas le temps, parce que je crois que l'activité parlementaire s'arrête en mars, si ça n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, à la limite, je ne veux pas dire, mais à la limite, peu importe, il faut déjà qu'elle soit débattue à l'Assemblée pour que l'équipe suivante puisse la reprendre. Parce qu'une fois qu'elle a été débattue, la façon dont elle sera débattue, et je suis assez confiant, vu la majorité des députés qui sont favorables à cette PPL, qui est, je le rappelle, encore très douce et très modérée, si elle va pas jusqu'à son terme, je pense que la mandature suivante, ils seront enclins non seulement à la reprendre, mais à la voter facilement. Donc, on va rappeler que les députés arrêtent de siéger le 22 février, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Et donc là... Peut-être, je crois que c'est début mars, mais c'est dans ces eaux-là. Hein. Bon, 22 février, début mars, c'est possible. Après les élections législatives sont... Donc en fait, tout ce qui est décidé fin février, début mars, ne pourra pas être retouché par rapport à ce qui est début juillet. On va l'appliquer à notre domaine, à nous. Est-ce que vraiment l'Assemblée nationale va se lancer sur un gros point sociétal ainsi 2 ou 3 semaines avant la fermeture de la législature? Je l'espère, je n'ai pas la réponse. C'est une question qui est importante, hein, qui est lourde en fait. Hein. On le sent d'ailleurs dans ta réponse. Je l'espère. Si elle est inscrite à l'ordre du jour et en tête de liste dans la niche parlementaire, elle sera débattue, oui. D'accord. Alors dans ce grand travail qui a consisté à mettre tous ces gens ensemble, est-ce que toi, tu as pu identifier quelles avaient été les forces de résistance en 2017 et est-ce que tu as pu aller leur parler pour éviter que les mêmes choses ne se reproduisent? Les forces de résistance, c'est-à-dire les Moi, je pense notamment les députés LFI et Parti communiste à l'époque qui étaient arrivés en disant que séparer l'enfant, avoir ne serait-ce qu'une double résidence, à l'époque c'était ça, hein, on demandait à ce que l'enfant ait une double résidence pour qu'il puisse bénéficier des tarifs réduits et avantages locaux chez ses deux parents, etc. C'était uniquement ça, et forcer aussi l'administration à envoyer les courriers aux deux adresses. Eh bien, on avait quand même eu beaucoup d'argumentations disant que cela faisait perdre de l'argent. À l'un des deux parents, il y avait une argumentation économique du parti de l'opposition à cette loi de 2017. Et c'était ces gens-là aussi qui avaient rallongé le débat sur l'eau qu'il y avait auparavant, de manière à ce qu'il déborde d'une heure et demie, et puis qui avaient joué la montre, et puis on n'avait pas pu représenter cette fameuse loi le 16 mai 2018. Date de création de l'association Équité Parentale, puisque nous, on voulait justement pousser la représentation parlementaire et autres. Donc, on avait ces députés LFI et du Parti communiste qui étaient extrêmement opposés à ça. Est-ce que tu as pu travailler un peu? Est-ce que vous avez pu travailler, vous, dans votre entourage, à essayer de négocier avec eux, d'expliquer, de regarder que finalement, non, c'était dans l'intérêt de tout le monde, y compris des couples homoparentaux? Parce que moi, j'insiste vraiment sur cette convergence à terme, sur l'intérêt des enfants dans les séparation de tous les types de familles. Est-ce que vous avez pu identifier et discuter avec ces gens, non pas seulement ceux qui sont pour, mais aussi ceux qui sont contre, de manière traditionnelle? Alors, il y a beaucoup de choses de ce qui vient d'être dit. Nous, oui. on discute avec les gens, les députés ou les organismes officiels qui veulent bien nous recevoir. Ah oui, forcément. Donc ça, ouais. C'est une première chose. Cette PPL n'a pas de frontières. Il y a Marie-Georges Buffet qui est acquise à notre cause et qui s'est fait incendier par les féministes parce qu'elle nous avait reçus. Je me dis qu'on n'est pas dans une guerre des sexes, je l'ai expliqué, et non seulement on est passé dans une société égalitaire, mais à une société... Non mais ça, nous, on le sait, mais il y en a qui ne le savent pas. Maintenant, les hommes sont soumis à des femmes d'un point de vue
d'un point de vue de loi. D'un point de vue, il suffit de regarder le titre des députés, de certains ministres. Hein. On défend beaucoup de la femme. On ne va pas revenir en arrière, mais ça nous freine un petit peu dans notre avancée. Il y a des députés qui sont vent debout contre la résidence alternée. Je pense qu'il ne faut pas juger avec ses convictions personnelles, mais être à l'écoute des Français qui ont élu, encore une fois, les députés. Et il s'agit, encore une fois, d'être juste. Quand je vois un député, je vais le nommer, c'est Goufiéja, qui a fait un faux rapport qui est dans l'égalité homme-femme, qui a fait un faux rapport quasiment qu'avec des femmes, très peu d'hommes, pour démontrer que les pères, ils s'enrichissent suite à une séparation, alors qu'un même rapport, beaucoup plus précis, avec des statistiques, un rapport gouvernemental, montrait que les pères qui n'ont pas la garde s'appauvrissaient de 26 à 33%. C'est plutôt ça que j'ai vu, moi, oui, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas truander les chiffres pour arriver à ses fins. Les pères et les mères, quand on se sépare, quand on divorce, on s'appauvrit. On s'appauvrit quasiment dans tous les cas, sauf cas marginaux. Le divorce est un séisme qui dure en moyenne un an ou deux. Dans les gros cas de conflit, il y a au moins 4 ans et demi de flammes. Ce sont des épreuves dans une vie. L'ARA permet d'atténuer justement ces épreuves pour les deux parents. Voilà, l'ARA, c'est la résidence alternée pour eux. Oui, tout à fait. Les auditeurs qui nous écoutent. Mais voilà, nous, dans notre association, et je le redis encore une fois, on a de cesse de chercher à pacifier les conflits, pour éviter tous les procès en appel, en cassation, les enfants en déshérence qui se suicident. On n'en parle pas assez des suicides des enfants. On parle beaucoup des suicides des pères, mais il y a quelques mères qui commencent à se suicider. Les antidépresseurs, les arrêts de maladie, le gouvernement a tout intérêt à légiférer sur une résidence alternée le plus rapidement possible pour pacifier les conflits et pour des questions d'économie et quelque chose dont on parle de plus en plus. Et Éric Zemmour, d'ailleurs, on a fait l'écho il y a pas très longtemps, c'est la violence et la délinquance dans les manifestations. Tous ces jeunes qui incendiaient des poubelles, puis des voitures, qui s'en prennent au CRS, maintenant qui s'en prennent aux enseignants et qui se tuent entre jeunes, quand on cherche un petit peu, on voit que c'est très très souvent, majoritairement, des enfants de divorcés qui n'ont pas eu de père, de repère, de cadre, et qui s'inventent des idoles peu recommandables. C'était il y a un moment, c'était la jeunesse hitlérienne, maintenant c'est le djihadisme. Je pense que l'enfant, il a besoin d'être éduqué. Ce n'est pas au gouvernement, ni aux professeurs, ni aux enseignants à éduquer leurs gamins. C'est aux parents, même séparés. Le couple parental traverse le divorce et c'est aux parents à éduquer leurs gamins pour éviter qu'ils fassent des conneries, leur apprendre le bien, le mal. Ça, on casse pas. Ça, on respecte un enseignant, on respecte un CRS. Pour conclure, il reste beaucoup de chemin. Il y a déjà eu un gros travail de fait, mais la bataille n'est pas gagnée. La bataille n'est pas gagnée. On s'appuie sur des actions médiatiques pour médiatiser, comme il y a eu deux pères courageux qui ont escaladé la colonne Vendôme devant le ministère de la Justice. Il y a bientôt prochainement la marche des pères qui vont marcher de Marseille à Paris. On s'appuie sur des coups d'éclat médiatiques pour essayer de faire parler de notre cause et de prouver aux médias que la société a évolué. Donc, il faut aussi que, en matière de parentalité, les choses évoluent et que c'est plus le schéma classique d'il y a 50 ans où la mère, parce que femme, est cantonnée à devoir garder les enfants à la maison. Maintenant, la femme doit avoir du temps pour elle, pour faire carrière, pour refaire leur vie. Il faut que la société évolue et donc les députés, ils suivent l'air du temps et ils légifèrent là-dessus pour une résidence alternée pour que les femmes puissent s'épanouir, s'émanciper et que les pères puissent assumer pleinement leur rôle de père si tant est que la femme leur en laisse la possibilité. Là, ça sera plus le cas parce que la décision de justice tranchera en disant le père et la mère ont à peu près autant de temps pour s'occuper de leurs enfants. Donc on travaille là-dessus, donc notre PPL est une avancée,
souhaitons, gageons qu'elle soit débattue dans la niche parlementaire de début février. Juste pour savoir, la PPL qui arrive maintenant, effectivement, est très centrée autour de ton travail et celui de ton association, mais il y a quelques années, nous étions quand même une trentaine à travailler ensemble. Je sais que Équité Parentale avait participé aux travaux avec Madame Opelt et autres. Est-ce que tu crois qu'il est encore possible que nous ayons des unions, des diverses associations pour aider dans ce domaine-là, ou est-ce que malheureusement nous sommes repartis dans un territoire où chacun traite plus ou moins sa paroisse uniquement ? Alors, le monde associatif est difficile, c'est du bénévolat et on s'essouffle. On est au top de notre forme pendant 2-3 ans et après, on s'essouffle. Nous, on continue notre petit travail d'humilité, on travaille pas pour nous. Le nombre de gens à qui je fais signe pour aller rencontrer des députés ou des sénateurs qui sont d'autres associations ou pas dans notre association, peu importe. Moi, je travaille pour la cause et on continue notre avancée. Et on a la chance en cela, c'est qu'on a très bonne presse dans les gouvernements. Je dis les gouvernements parce que ce soit à l'Assemblée, au Sénat, mais les organismes officiels, ils sont nombreux. On est bien cotés, donc on invite qui veut à nous rejoindre, à travailler avec nous. Ça ne veut pas dire prendre sa carte d'adhérent, hein. Peu importe, nous on travaille pour la cause, on a le même but. Mais je suis très strict là-dessus, il faut des gens bienveillants. On ne critique pas les femmes, on ne critique pas les juges, on a besoin de tout le monde. Et donc, si on est modéré, eh bien, on peut faire des merveilles ensemble, parce que l'union fait la force. Donc Thierry, tu es aussi l'auteur de ton troisième ouvrage, « Famille, où vas-tu ?», que l'on trouve sur Amazon, qui est sorti il y a un peu moins d'un an, qui a une table des matières extrêmement alléchante. Est-ce que tu peux nous dire ici que tu viendras nous en parler d'ici quelques semaines et qu'on pourra faire un quart d'heure, 20 minutes sur cet ouvrage-là que tu viens d'écrire ? Pour en toucher deux mots, ce livre m'a beaucoup plu par rapport aux deux premiers qui sont différents, qui ne parlaient que de résidence internée et qui étaient préfacés par des personnalités éminentes. Celui-là est tout sobre, pas de préface. Il parle de la famille en général. Il est surtout découpé en trois parties distinctes. C'est qu'est-ce que c'est une famille. Donc on part du couple. La famille, c'est avec un enfant ou plus. Et on remonte à avant Jésus-Christ, de siècle en siècle, l'évolution du système patriarcal à matriarcal, de siècle en siècle. On voit la dominance de la famille par les femmes au Moyen-Âge, puis le déclin, et puis de nouveau l'arrivée, l'électrochoc de la Première Guerre mondiale, et surtout de la Seconde, et encore plus de mai 68, qui a décapité le père, hein, tout ce qui représente l'autorité, les CRS, l'ordre, les militaires. La seconde partie, c'est tout ce qui tourne autour des relations humaines, l'addiction au téléphone portable, l'absence de communication à partir des l'omniprésence des tablettes, des téléphones, avec la dérive, le risque de l'addiction. Je parle des relations humaines au sens large et je pense plutôt à le sujet qui nous préoccupe, les divorces conflictuels. Je parle de l'ego surdimensionné, pour ne pas parler des ravages de l'orgueil, et à contrario, la force et la puissance du pardon, toujours dans l'idée de pacifier les conflits. Et la troisième partie, de façon précise, avec des chiffres à la clé et sourcés, tout ce qui est séparation et divorce. Avec à chaque fois, des remèdes, en fin de section, des remèdes, des propositions pour améliorer, si possible encore, les relations humaines. Alors, moi je l'ai acheté, il faut que je le lise, je suis en train de terminer Un parricide ordinaire, qui est un autre ouvrage, c'est de Androise Debussy. Bah écoute Thierry, merci beaucoup, merci pour écoute, tout. Je t'en prie. Bah voilà, et puis écoute, on va suivre ça de près, et puis à bientôt. Ça marche. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut. Voilà, c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. N'oubliez pas le groupe Facebook Association Équité Parentale, le groupe national avec un groupe par département, le site internet équitéparentale.com, le blog qui n'est plus beaucoup mis à jour mais où l'on trouve encore pas mal d'informations, sospapa24.com. La semaine prochaine, nous aurons la chance d'avoir Ambroise Debussy, l'auteur du livre Un parricide ordinaire que j'ai beaucoup aimé, qui est très humoristique et extrêmement fouillé dans son genre. Passez une bonne semaine, soyez sages et à bientôt. Au revoir. Andrea McArdle.
Gee, that is nice, Andrea. Thank you. I could listen to you all day.